Ben voilà, c'est le roman des guides. C'est l'histoire du métier de guide à partir du moment où les premiers touristes sont arrivés dans la vallée de Chamonix et que les premiers paysans, cristalliers, chasseurs de chamois sont transformés petit à petit en guides. Et après, on déroule l'histoire de ce métier-là avec comme première date très importante la création officielle de la Compagnie des guides de Chamonix qui s'est fait en deux temps, en 1821 et en 1823. Voilà, et après, on déroule à travers les dates qui nous semblent intéressantes, des dates historiques vraiment, des dates de première ou bien des dates beaucoup plus anecdotiques. Ça nous permet de dérouler l'histoire de ce métier à travers la structure la plus emblématique du métier, qui est la Compagnie des guides de Chamonix. Et comment tu as choisi ces dates alors ? Ben, je me suis permis d'en choisir quelques-unes de manière tout à fait personnelle, et puis d'autres, c'est évidemment les événements, l'histoire qui m'ont guidé. Mais ça va de la visite officielle d'un président de la République à une première, comme celle du Grépon, ou bien à une décision administrative, ou à un anniversaire, ou bien un accident emblématique de la pratique de la montagne, ou qui a fait beaucoup de bruit, ou la création d'une structure indépendante de la Compagnie des guides, ou des choses comme ça, quoi. Donc je me suis amusé à décoder à peu près tous les 15, 20 ans, 20, 25 ans, une date qui me semblait me permettre de développer un thème. La relation avec la religion, par exemple, à travers les moments où les guides sont allés déposer des vierges sur les sommets, l'évolution du métier à travers la loi Mazot ou la loi de 48, enfin des choses comme ça, quoi. Et toi, tu as baigné depuis ta tendre enfance dans le milieu de guide. Qu'est-ce qu'elle représente, cette profession, pour toi ? C'est une profession, elle a impacté ma vie, dans la mesure où mon papa est guide. Voilà, c'était son métier, c'était un petit paysan qui était devenu guide. Et puis mon frère, jumeau, est lui devenu guide à la compagnie. Et après, il a même été président de la compagnie pendant 13 ans. Donc évidemment, c'est un métier que j'ai toujours côtoyé de l'intérieur et aussi de l'extérieur, en étant pas professionnel de la montagne. Je suis professionnel du ski, mais pas de l'escalade et pas de l'alpinisme. Tu parles de l'époque ancienne jusqu'à l'époque moderne. Tu retraces toute la... Oui, je fais partir tout ça. Alors c'est pour ça que ça s'appelle aussi le roman. C'est-à-dire que c'est effectivement des dates historiques, mais en même temps, j'y mets un peu mon grain de sel et je mets un peu des... J'imagine un peu certaines situations. Donc pour moi, le point de départ du métier de guide, c'est 1841, quand les Anglais viennent visiter la vallée de Chamonix, qui s'appelle Windham et Pocock, qui sont des aventuriers anglais, et puis qui arrivent dans ce coin perdu de montagne, où ne vont à l'époque que les ecclésiastiques, pratiquement. On trouve aussi quelques bandits qui viennent se mettre à l'abri, et puis il y a les colporteurs. Mais sinon, c'est une vallée assez fermée, et eux viennent découvrir cette vallée, et ils voient, parce qu'on leur a dit que de Genève on voyait tout ça, ils voient ce qu'ils appellent à l'époque les glacières, et ils veulent aller voir à l'intérieur ce que ça représente, les glacières, donc ce sont les glaciers, et ils demandent aux gens du coin de les conduire. Alors les gens du coin, ils sont allés là-haut, mais c'était pour chasser, pour trouver des cristaux. Jamais pour faire de l'alpinisme, de l'escalade, ça n'existe pas. Pas plus que pour conduire quelqu'un. Et là, d'un seul coup, à la demande de ces gens-là, il y a des chamoniards, des petits paysans ou des artisans ou des chasseurs qui se transforment en guides. Voilà, on leur dit, est-ce que vous pouvez nous guider ? Ben oui, on va vous guider. Et ils apprennent le métier. Les plus malins ou les plus bavards deviennent guides, c'est-à-dire qu'ils vont devant. Et puis les plus costauds ou les plus discrets deviennent porteurs. C'est ce qui se passe des décennies plus tard en Himalaya avec les trekking, ni plus ni moins. Donc, je fixe ça en 1841.
Je pense que j'ai pas trop faux. Et pour revenir à la compagnie, Xavier, ton frère, était 13 ans président. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette compagnie ? Alors, c'est une association d'indépendants et de gens terriblement indépendants, fondamentalement indépendants, et qui, très, très bizarrement, se retrouvent dans cette compagnie et où il existe d'un seul coup de la solidarité, de l'échange, et avec des gens qui, s'ils n'étaient pas guides, membres de la compagnie, peut-être ne seraient pas amis ou ne seraient pas dans la même histoire. Et finalement, cette compagnie qui les réunit pour leur offrir du travail, parce que c'est ça le but. La compagnie, elle est là pour offrir du travail aux guides et pour organiser le travail. Mais chaque guide a un statut indépendant. Donc il fait le métier comme il veut, en se servant de la structure. Et si possible, de temps en temps, en servant également la structure. C'est le rôle d'un président ou d'un président de la caisse de secours. Et donc il y a cette espèce de paradoxe permanent entre la volonté d'être seul, indépendant, libre, et cette appartenance à une collectivité dont les racines, dont les modes de fonctionnement sont extrêmement prégnants. Et donc c'est tout le paradoxe du guide, de la compagnie des guides de Chamonix. Et comment elle a évolué cette profession, pour faire tracer son histoire hein? Bah, cette profession, elle a évolué en fonction, beaucoup, beaucoup, en fonction de la demande, en fonction de la recherche de ce qu'on appelait au départ les monchus, qui pour la plupart étaient des étrangers au départ. Après, il y a eu des gens... Parce qu'il faut savoir que Chamonix ne fait partie de la France qu'avec le rattachement de la Savoie à la France en 1860. Avant, c'est les Sardes qui gèrent l'espace ici. Et donc, il y a une clientèle qui vient à Chamonix pour découvrir ce milieu. Et elle est, pour la plupart du temps, anglaise, allemande, néerlandaise, scandinave, etc. Les gens viennent découvrir ce coin et il faut trouver des locaux pour les conduire. Mais donc le guide, c'est plutôt quelqu'un qui, au départ, s'adapte à la demande. Et puis avec le développement, avec l'évolution des techniques, avec ce que les collectivités guides, enfin ce que les guides apprennent, c'est-à-dire ils mettent au point des techniques d'escalade, des techniques de cramponnage, des techniques de progression. Après, au départ, c'était aller se promener sur les glaciers, aller au Mont-Blanc, et faire les sommets qui étaient les plus faciles, et puis après, ben, on complexifie le jeu. Le guide devient de plus en plus performant, de plus en plus efficace, et petit à petit, ça devient véritablement un métier qui s'organise sur le plan national à partir de 1948. Et là, ça devient un métier avec ses règles, sa formation, etc., etc. Et la compagnie des guides avait établi bien avant des règles qui étaient les règles de la compagnie de fonctionnement entre les guides et les clients. On organisait à l'époque beaucoup de déplacements avec des mulets, par exemple. Il y avait beaucoup de guides qui étaient des guides muletiers. Comme on pourrait parler d'un chauffeur taxi, quoi, qui allait conduire les gens au sommet au pied du glacier pour aller voir le glacier. Voilà. Et après, le métier s'est beaucoup développé avec beaucoup plus de compétences, petit à petit, quoi. Et puis maintenant, l'offre vient plus des guides. Enfin, c'est plus les guides qui maîtrisent, qui organisent, qui proposent les activités et aux clients de choisir parmi tout ce que les guides peuvent proposer. Parce qu'un guide, il peut faire beaucoup de choses sur les terrains d'aventure en montagne. Il peut faire du ski, il peut faire de la montagne, il peut faire de l'escalade, il peut faire de la glace, il peut faire du canyoning, il peut faire du vélo s'il veut, enfin, etc. Donc c'est un multi compétent, quoi. Il a beaucoup de cordes à son arc. Donc voilà, le guide n'est pas simplement un grimpeur, quoi. C'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Et on est où, cette compagnie, aujourd'hui? Ben, cette compagnie, elle est toujours là. Elle est toujours la plus grosse au monde. Elle est toujours là. Elle est toujours c'est cette grande dame au bas jacquard qui est la doyenne. Et en même temps, avec la multiplication des activités, avec le tourisme qui se développe, avec l'ubérisation de l'offre, ben, elle doit s'adapter.
Et d'une certaine manière, elle prend des décisions, elle essaie de s'organiser. En 2013, elle a changé de statut, c'est-à-dire que c'est plus une association, c'est une SAS. Et donc c'est un changement de cadre juridique qui, d'une certaine manière, la fait ressembler à n'importe quelle entreprise, d'une certaine manière. Et peut-être, c'est une des interrogations, est-ce qu'en en ayant une nouvelle forme juridique, est-ce que la compagnie perd pas un peu son âme ou perd pas un peu ce qui en faisait sa force, qui était un fonctionnement tout à fait pas en marge, mais tout à fait atypique. Et là, elle a tendance, enfin ça c'est ma lecture, elle a tendance à rentrer dans le rang. Juste pour revenir sur la profession, qui est baignée dedans par ton père, qu'est-ce que ça représente, ces hommes et cette profession? Pour moi, quoi qu'il arrive, quoi ce qu'on dise, etc., j'ai une véritable admiration, une véritable estime, respect, pas une vénération, ça serait beaucoup, pour ces gens-là, pour les guides qui ont choisi ça comme vie professionnelle, parce que c'est un métier engagé, simplement engagé. Et cet engagement-là, pour moi, au quotidien, il est capital, quoi. Ça veut dire que ce sont des gens qui se confrontent quotidiennement à la montagne, donc avec tout ce que ça comporte. La montagne est un milieu où les risques existent. Voilà. Donc ce sont des gens qui essayent de maîtriser le plus possible l'activité en montagne, la gestion du risque, la gestion du client, la gestion et on parle de vie là, on parle de vie, c'est-à-dire des gens qui engagent leur vie pour faire ce métier-là, c'est ce que disait Thérèse, hein, on engage la viande, voilà, et pour ça, c'est chapeau quoi, chapeau. Tu fais parler Frédéric Lordon un peu à la fin là. Oui, je fais. Pourquoi? Tout simplement, Frédéric Lourdon, c'est un intellectuel, hein, c'est un garçon qui est au CNRS, qui est capable de mettre des concepts et des idées sur des actions, qui réfléchit, notamment sur l'économie, sur la sociologie, sur la politique. Donc, ça fait partie des intellectuels. Qui ont du volume en France, alors tout le monde ne le connaît pas, mais il y a beaucoup d'intellectuels ou d'écrivains qui se permettent, ou qui le font, qui s'expriment sur la montagne, on les connaît. Lordon, on sait moins que c'est un garçon qui fait beaucoup de montagne, et il se trouve qu'il en a fait beaucoup avec mon frère, et depuis très longtemps, depuis qu'il était adolescent, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir le regard d'un client, de quelqu'un qui s'est construit aussi dans sa vie à travers la montagne, à travers l'escalade, et qui se sert un tout petit peu de tout ce qu'il a pu apprendre en montagne dans son travail d'économiste, d'intellectuel. Alors je ne sais pas s'il s'en sert pour conseiller Mélenchon, mais quand il juge les propos de Macron, enfin, qui commente, pas les juger, mais qui commente les propos de Macron sur la notion de premier de cordée, que, on peut le dire, le président de la République est un peu galvaudé, c'est intéressant, ça m'amuse, et je trouve que un type comme Lordon a les mots pour en parler. Et on finit aussi avec les femmes. Oui, ouais. Alors, il se trouve que on conclut ce livre avec, il y a une préface de Christophe Profi. Bon, je trouve que c'est pour moi aujourd'hui le guide. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a très peu de gens qui sont aussi souvent dehors, en montagne, avec des clients, que Christophe Profi. Donc Christophe, c'était l'un des alpinistes phares des années 80-90, qui s'inscrivait dans un alpinisme de compétition, qu'on croyait être quelqu'un d'extrêmement individualiste et qui s'inscrivait uniquement dans la performance. C'est pas du tout ça, c'est véritablement un guide. Et en montagne, c'est un guide animal, c'est un guide qui vit véritablement l'univers de la montagne, qui le respire, et qui le transmet, et qui a une manière d'approcher la montagne
qui n'est pas tout à fait dans les clous de tout le monde, mais il est dans ce qu'un guide doit être, c'est-à-dire avant tout un passeur de passion, un transmetteur d'émotions, et il le fait magnifiquement bien. Donc c'est lui la préface, et puis la postface, j'ai trouvé que c'était peut-être intéressant d'avoir, aussi bien en signe de fermeture d'une parenthèse pour ce livre, mais surtout en signe d'ouverture, d'avoir une femme. Et j'ai demandé, j'ai fait en sorte que Fanny Schmutz, qui a aussi comme particularité d'être ma cousine, ma petite cousine, fasse cette préface, et c'est donc une femme. Le métier se féminise, ou essaye de se féminiser, et c'est quelqu'un qui a choisi d'abandonner son métier d'institutrice pour devenir guide. C'est un choix de vie, comme son papa était guide, et elle a vraiment choisi ce métier en toute connaissance de cause, et elle le fait véritablement, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, beaucoup de compétences. Elle est très fière de faire partie de la compagnie des guides de Chamonix. Et donc c'est une voix qui me semble intéressante à lire et à écouter et à suivre. Voix VOIE et VOIX. Je l'ai vécu comme une chance. En tant que gamin, j'ai quasiment deux chances, ou deux surchances. La première, c'est d'être jumeaux. C'est assez particulier, donc Xavier qui a donc choisi d'être guide, est mon jumeau, on est jumeaux, alter ego, voilà, donc ça te donne quand t'es gamin une certaine force pour affronter la vie, notamment à Chamonix où l'espace est ce qu'il est et où l'ambiance est quand même assez rugueuse, et puis le fait d'avoir un papa guide et une maman monitrice de ski, elle a été l'une des toutes premières en France, elle est la doyenne des monitrices aujourd'hui. Des gens terriblement amoureux de la montagne, qui se sentaient bien en montagne, ben c'est une chance parce qu'ils te font découvrir, je crois, des valeurs, une manière d'être, une manière d'approcher l'espace, d'approcher la vie, d'approcher l'engagement, qui te fait gagner du temps. Et voilà, j'avais une estime, une admiration sans borne pour mon père, sans borne. C'est-à-dire que on avait l'impression de vivre avec un monument. Et les images du papa qui rentre de course, fatigué, mais avec la lumière dans les yeux, avec des belles choses à nous raconter, la manière dont il avait de parler de la montagne, de considérer son métier, il le faisait avec sérieux, c'est-à-dire que c'était un métier avec lequel il fallait pas tricher avec la montagne, et puis il fallait surtout pas tricher avec les gens que t'emmènes en montagne, fallait leur faire découvrir la force de cet univers, fallait les amener dans... Il parlait pas comme Rébuffat, mais il avait la même conception que Rébuffat. C'est un écrin qu'il faut protéger, qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité. Et voilà, et donc il nous a transmis ça. Et puis après, je me suis aperçu, en grandissant, que c'était un guide, mais que c'était aussi un type engagé dans la vie, puis que c'était aussi un sauveteur. Et il a fait des grands sauvetages. Donc j'avais une fierté infinie pour cet homme-là. Et donc ce livre, il est pour lui et pour mon frère, quoi. Et puis ma maman, avant tout. Et j'espère que à travers ça, les gens trouveront autre chose. Je ne fais pas ce livre pour moi, mais je l'ai fait parce que... Et des grands guides qui ont marqué ta vie et la compagnie? Alors, il y a les grands guides que j'ai eu la chance de croiser gamin. Voilà, quand on allait à la fête des guides et qu'on croisait un Rébuffat ou un Terray qui discutait avec le papa, et nous on était à côté, on lui tenait la main et on les regardait avec vénération. Alors on ne savait pas qui ils étaient, mais on nous racontait que c'était des gens importants. Puis après, il y a d'autres guides qui nous ont marqués, qui étaient des gens
Moi, il y a tous les copains de d'école qui sont devenus guides, pour qui j'ai une admiration terrible, les Tivierges, les Trezamini, voilà, tous ces gens-là, Albinoni, enfin bon, voilà. Et après, il y a les guides de la génération d'avant, les Mazino, les Payot, Desvoissou, les Vibo, tous ces gens-là qui nous ont, Burner, enfin, etc. Il y en a des dizaines et des dizaines qui nous ont montré une manière d'approcher cet univers. Puis après, avec mon métier de journaliste, de créateur de revue, j'ai eu la chance, alors pour le coup, de rencontrer les gens professionnellement. J'avais une carte de visite qui me permettait d'avoir accès à eux. Et si on excepte deux maisons que je connaissais vraiment bien par ailleurs, parce qu'ils faisaient un peu partie de la famille et qui était un type d'une puissance rare, j'ai eu la chance de rencontrer des Roger Canac, des Keller, des Rébuffa, évidemment, les rencontrer professionnellement, et puis après d'autres guides un peu partout, des Béraud, des Guémard, je peux en citer, mais des dizaines et des dizaines comme ça de guides, et puis des gens qui sont comme toi derrière la caméra, qui ont fait pour métier d'être guide, mais également de transmettre, qui écrivent, qui font des films, qui font des photos. Donc chaque fois une rencontre avec un guide, et je pense que pour n'importe qui, c'est valable. La rencontre avec un guide, elle est pas anodine, elle t'apporte quelque chose. Ah ben, un guide, c'est toujours une personnalité forte, hein, de toute manière. Des gens qui sortent de l'ordinaire, qu'on le veuille ou non. Mais bon, c'est pas toujours des gens faciles à côtoyer. Hein. C'est difficile, c'est des gens qui ont des convictions, qui ont du caractère. On connaît l'histoire. Hein. Quelle est la différence entre Dieu et les guides ? Eh bien, Dieu n'est pas guide. Voilà. On peut en rire, mais ça dit quelque chose, mais ça dit aussi que c'est un métier pour lequel on peut avoir une certaine vénération. Tout à fait païenne, hein. Puis tout à fait terre-à-terre, mais quand même. Et je crois qu'en c'est pour ça que je fais ce bouquin, quoi, à un moment donné, parce que c'est un métier pour c'est des professionnels, un métier, des gens pour qui, dans l'ensemble, j'ai une profonde estime, un profond respect. Si ça passe dans le bouquin, c'est parfait. Ouais, on sent que que ça va au-delà du roman, que tu as envie de rendre hommage au guide. Oui, je rends hommage aux guides. Bon, j'en ai eu beaucoup dans la famille, j'en ai côtoyé beaucoup, j'en ai qui sont des amis, vraiment des amis, des très 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 bons copains. Il y en a que je connais très bien. Oui. J'ai de l'estime, voilà, j'ai de l'estime pour ces gens-là. Donc voilà. Donc sinon je fais pas. Sinon ça m'intéresse pas. Je fais pas un livre pour faire un livre. Hein. C'est pas moi qui ai choisi de faire ce livre-là, c'est une demande de Guérin, de les éditions Guérin, donc c'est beaucoup de fierté quand les éditions Guérin vous demandent de travailler sur un thème. C'est Christophe Rella qui m'a demandé, le premier, en plus c'est Charlie Buffet qui a confirmé la demande, ça date d'il y a déjà 4 ou 5 ans. On dit à l'occasion du 200e anniversaire de la compagnie, est-ce que tu ferais pas quelque chose sur les guides? Je me sentais peut-être pas forcément tout de suite capable. J'avais pas pensé faire ça. Et puis je m'y suis mis et je suis très content de l'avoir fait. Oui. Ouais, je les remercie. J'espère que j'étais à la hauteur de la confiance qu'ils m'ont manifestée. Un livre comme ça, c'est une histoire collective. Hein. Bon, effectivement, il y a le nom de quelqu'un en couverture, mais c'est vraiment une histoire collective. Et s'il n'y a pas l'équipe de Guérin, on ne fait pas du tout ce livre-là, et tu parles de l'icono, sans le travail de Catherine Queneau, je veux dire, le livre, il n'existe pas, quoi. C'est quelqu'un qui connaît intimement la vallée, intimement le métier, qui connaît l'image, et il y a, je crois, 380 illustrations, et c'est pas des illustrations anodines, quoi. Elles sont pas là
par hasard, elles ont tout un sens. Et donc c'est un bonheur quoi, de travailler avec des gens qui sont impliqués, qui vont chercher la bonne image. Après, Stéphanie Tizi qui met ça en musique, qui fait la mise en page, c'est du bonheur pour un auteur. Quoi. C'est des perles ces filles-là. Donc je pense que l'équipe Guérin est telle que c'est fait, bon, je ne cite pas tout le monde parce qu'on n'est pas là, enfin, ce serait trop long, mais on n'est pas là pour remercier à la façon César. Quoi. Mais non, mais c'est un boulot collectif, quoi. C'est un boulot collectif. Et c'était assez chaud, parce qu'on n'est pas d'accord sur toutes les images, on n'est pas d'accord sur tous les choix. Et c'est ce qui fait la richesse de ce travail, quoi, je pense, parce qu'il y a plusieurs pattes qui se mêlent, comme j'ai fait intervenir pas mal de guides, ou de gens un peu extérieurs qui ont écrit, qui ont participé. Et je pense que c'est pas ma voix, c'est la voix d'une profession et qui peut pas être unitaire, c'est pas possible. Il y a trop de personnalités différentes, trop d'itinéraires différents, trop de pensées politiques, philosophiques, sociologiques, personnelles différentes pour qu'on puisse parler d'une même voix. Mais cet ensemble de voix, d'interventions, de signatures, ça, bizarrement, comme sur la photo des guides à la fin de saison, au 15 août, quand ils sont tous ensemble, on a une incroyable idée d'unité. Et puis après, si on va piocher, chaque guide est différent. Il y en a un qui a une petite boucle d'oreille, il y en a un qui a des lunettes comme ça, il y en a un qui met les chaussettes différemment, il y en a un qui attache pas son knicker, il y en a qui prend une corde du siècle dernier, et l'autre qui prend une corde bien fluo. C'est-à-dire que chacun s'inscrit avec sa différence. Et le livre, j'espère qu'il est un peu le reflet de ça, quoi.